facilité que l'on a durant toute une vie à essayer de trouver l'agréable, à essayer de trouver ce que c'est l'éveil, la spiritualité. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on doit chercher à être ce que l'on est déjà? On s'est séparé de notre vraie nature, parce que ce que nous sommes, c'est l'expression de l'univers. Tu es la beauté de ce que l'univers propose, mais tu ne sais plus comment faire pour être cela. Pratiquement toute ta vie à te débattre entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Tu passes ta vie entre accepter ou pas. Et au bout de moment, toute cette vie que tu as, ces combats que tu as pour trouver ce qui est bon et mettre de côté ce qui n'est pas bon, joue sur ton humeur. Parce que tout ce qui arrive, de toute façon, il y aura une réaction et tu voudras arranger ce qui n'est pas plaisant. Parce que tu as l'idée de ce qui n'est pas plaisant et tu as l'idée de ce qui est bien. Donc tu cherches ce qui va te donner cet avantage, cet intérêt que tu as de trouver ce qui est bon pour toi. Et en fait, ce que tu es à ce moment-là, ce n'est pas ce que l'univers propose. Ce que tu es, c'est ce que le monde propose. Parce que tu as appris du monde comment tu devrais être pour pouvoir être accepté. Donc tu sais comment être pour pouvoir te faire valoir. Et donc on joue le rôle de celui que le monde attend. Mais là, on est en train de dire que ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui est bon ou pas bon. Ce que tu es n'est juste qu'un ensemble qui est là et qui est ce qu'il est. Sans jugement, sans réaction, tu acceptes ce qui se joue. Tu es toi-même, cette atmosphère qui est là et qui regarde tout sans juger, sans comparer, tu es là. Tu ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Mais ce qu'on t'a demandé d'être, c'est justement de faire en sorte que tout ce que tu as en face de toi te conviennent. Donc on a inventé ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et à ce moment-là, il y a un amour conditionnel. Nous aimons à condition que ce soit à mon goût. Mais quand tu acceptes vraiment ce qu'il y a tel que c'est, tu ne dis pas que c'est bon ou pas bon. Tu acceptes, tu l'accueilles pour ce qu'il est. Tu n'es pas là pour essayer d'arranger. Tu es sans condition, toi. Tu l'acceptes, tu l'accueilles. À ce moment-là, il n'y a plus de rivalité, parce que ce qui crée vraiment la rivalité dans le monde, c'est que tout le monde voudrait changer les choses pour que les choses soient à son goût. Parce qu'on t'a appris que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est ok, ça c'est pas ok. Ça c'est intéressant et ça c'est pas intéressant. Donc tu passes toute ta vie à comparer et parce que tu compares, alors tu as ces émotions face à ce qui n'est plus à ton goût. Donc tu ne regardes pas la vie comme elle est. Tu regardes la vie comme tu as appris comment elle devrait être. Et ce que tu as appris, c'est parce que tu t'es divisé
pour être celui qui plaît ou qui ne plaît pas. Et à ton avantage, nous vivons tous dans une société où c'est un mouvement qui fait que toutes les actions sont récompensées ou punies. Et bien sûr, tout le monde voudrait être à la norme pour pouvoir apprécier ce sentiment de récompense. On va te récompenser si tu n'es pas en train de défier la norme établie. Donc tout le monde se moule à cette norme établie. Et quand on se moule, comme on le fait par intérêt, alors on n'est plus soi-même. Et on est confronté à une dualité entre ce qu'il y a et ce que l'on est vraiment. Ce que l'on est accepte, mais ce qu'il y a est appris comme pas acceptable. Donc tu as appris à aimer à condition que les choses soient comme tu aimes. Donc tu ne sais plus être cet être inconditionnel, sans comparer, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Tu acceptes tout. Ta vraie nature, elle est là. Et c'est ça qu'on a oublié. Et comme on a oublié ça, on est isolé dans le petit monde qu'on a créé. Et dans ce petit monde, on est embêté parce que tout ce qu'on veut doit être fabriqué, parce que ce que tu veux n'existe pas pour de vrai. Ce qu'il y a, c'est ce qui se passe, c'est pas ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais, c'est ce que tu as appris. Tu es conditionné à accepter seulement ce que tu sais qui est bon pour toi. Donc tu crées de la division dans la relation. Tu aimes seulement à condition que les choses se passent comme je veux, comme j'ai appris, comme j'aimerais. Et c'est pour ça que dans ce monde, il y a toute cette activité où tout le monde cherche à voir midi à sa porte. Et tu sais très bien, ce sont toutes les guerres que nous avons aujourd'hui, les disputes, les rivalités, les divorces, parce que on n'accepte pas l'autre juste comme il est. On l'accepte à condition que. Et ce genre d'amour sans condition ne peut être là que si tu acceptes ce que tu es toi-même. Ça veut dire te regarder tel que tu es et ne pas croire qu'il y a là-dedans quelque chose que tu peux diviser. Ce que tu es, le yin et le yang, c'est la même chose. Tu ne peux pas mettre un en valeur et l'autre sous le tapis. Tout est là. Si tu fais ça, si tu veux te montrer comme quelqu'un de bien, eh bien tu crées de la dualité en toi. Tu n'es plus présent avec ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est tout un mouvement qui ne juge pas, ne compare pas. C'est entièrement là. Et tout se joue comme ça. Mais comme on t'a appris qu'il y a un intérêt à avoir ce que tu aimes, alors tu laisses ce que tu n'aimes pas de côté. Et nous avons un monde en dualité. Parce que nous ne savons pas être vraiment ce que nous sommes, c'est-à-dire un paquet d'amour. On accepte tout, parce qu'on ne fait pas de conditions, parce qu'on regarde les choses au-delà de la différence. Parce que ce que tu es pour de vrai n'est pas, ne compare pas, ne juge pas.
ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est comme ça que on vient à se détester les uns les autres. Parce que lui, là-bas, il n'est pas à mon goût, il n'est pas comme j'aime. Mais ça, c'est tout un conditionnement qui a fait que nous avons comparé les choses. Nous ne les prenons plus dans leur entièreté. Les yin et le yang sont tous désaccordés parce qu'on les a séparés. On croit qu'on peut séparer cela. Ce que tu es n'est pas séparable, n'est pas divisable. Tu es individuel et cet individu est indivisible. Et si tu penses que tu peux le faire, alors ce sera une illusion. Parce que dans la réalité, tu ne peux pas. Ce que tu es pour de vrai, c'est ce qui se joue là. Dans l'ensemble. Et tout est accueilli. Parce que ce que tu es, c'est l'ensemble. Et quand tu vois tout, tu acceptes tout. Tu ne juges pas, tu ne compares pas, tu prends le tout pour ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas celui qui s'est forgé une vie en disant « je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça ». Donc, tu te donnes l'impression d'être celui qui est mieux que ce que l'autre est, parce que tu as comparé. Donc tu te donnes une image, tu te donnes quelque chose, tu te donnes de la valeur. Tu es celui que tout le monde admire parce que tu as cette image qui te donne de la valeur et tout le monde s'attend à être comme toi. C'est pour ça, de génération en génération, on formate nos enfants à être ce que maman et papa prévoient. Nos sociétés le font. On te dit toute ta vie, comment tu dois te comporter, comment tu dois devenir. Et tous, on a cette idée de comment les choses devraient être. Donc, on accepte seulement ce qui est acceptable selon la norme établie. Et la non-acceptation, ça veut dire qu'il y a des réactions. Et ces réactions, ce sont nos comparaisons, nos émotions qui viennent pour se disputer avec ce qu'il y a vraiment là. Les faits ne sont plus acceptés. Nous acceptons seulement ce qu'on aimerait. Mais une acceptation inconditionnelle, ça veut dire que tu es sorti de cette envie de comparer. Tu ne juges plus. Tu acceptes l'autre exactement comme il est. Tu passes au-dessus de toutes les différences qui peuvent te déranger. Puisque tu acceptes, et en acceptant, c'est parce que toi aussi tu as accepté que tu n'es pas là pour être divisé en toi. Tu es libre de cette conjoncture, de cette dualité qui se passe en soi. Tu es libre de ça. Alors quand tu rencontres l'autre, tu le rencontres avec une entièreté. Tu prends le tout, tu ne dissèques pas. Tu ne dis pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu aimes, tu es toi-même. Parce que ce que tu es, c'est une expression de ce que l'univers propose. Mais peux-tu laisser être ce que l'univers propose? Parce que la plupart d'entre nous, on résiste à ça. On a des conditions. Parce qu'il y a un personnage qui s'est forgé à travers toutes
les âges, les millénaires, et nous sommes devenus ce que nous aimerions être et ce que tu aimerais être est divisé de l'ensemble de ce qu'il y a à être. Et quand l'ensemble n'est pas divisé, il y a harmonie. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de rivalité. Il y a ce qu'il y a. Tout l'univers est comme ça. L'univers est fait de ce qu'il y a. Tout est là. Tout vient de la même source. Le grand, le petit, le cafard, le papillon, le gentil, le vilain. Tout vient de la même source. Donc ce sont des mouvements qui se sont engendrés et en fait, on s'est identifié à tout ça et on croit que c'est ça, vivre. Alors que vivre, c'est au-delà de toutes ces différences. Il faut se débarrasser donc de tout ce que tu as appris pour être libre de ce que tu dois être. Parce que ce que tu dois être n'est pas toi. Ce que tu es, c'est l'ouverture vers toute chose. Et quand tu es comme ça, ouvert vers toute chose, alors il n'y a plus de rivalité. Il y a juste de l'accueil. Et tout se meut de manière harmonieuse. Parce qu'il n'y a pas de rivalité. L'amour accepte tout. Mais si on divise, l'amour est conditionnel. On aime parce que ça, c'est mon enfant. Et lui, là-bas, c'est pas mon enfant. Donc, on a divisé. Donc, toute cette activité que nous avons tout le temps pour pouvoir être joyeux, pour pouvoir trouver un sens à cette vie, elle est le résultat de ce que nous sommes devenus. Et nous croyons que il faut encore devenir mieux. Mais cette idée de devenir encore mieux ne s'arrêtera jamais. Il faut juste abandonner cette activité de vouloir être autre chose que ce que l'on est là. Parce que ce que tu es n'est pas tout ça. C'est tout ça quand tu joues dedans et que tu crées des émotions. Et les émotions créent la différence, créent la dualité. Toi, tu es au-delà de tout ça. Tu es le témoin de ce qui se joue. Et si tu vois tout ce qui se joue, alors ce que tu es, c'est l'intelligence. Et l'intelligence ne se mêle pas de ce qui est incongru, de ce qui n'est pas de la sagesse. L'intelligence, elle fait en sorte que toute rivalité est écartée. Il n'y a pas de comparaison, donc. Il n'y a pas de différence. Le regard passe au-dessus de tout ce qui peut être la confrontation. Parce qu'il y a cette intelligence, cette acceptation de tout ce qui se passe. Et celui-là, ce n'est pas celui qui joue dans la scène qu'il y a aujourd'hui devant nous, c'est la scène de la vie où tout le monde participe et met son grain de sel pour pouvoir arranger la scène à son goût. Mais là, on est en train de dire que cette scène, tu dois juste la regarder et voir tout ce qui se passe sans rien faire pour vouloir l'arranger. Parce que si tu ne fais rien, en fait, maintenant que tu ne fais rien, eh ben, il n'y a plus de désordre. Et c'est parce qu'on veut arranger qu'il y a du désordre. Parce qu'on veut exploiter ce qu'il y a comme intérêt.
Donc il y a du désordre. Mais si tu veux rien, tu es juste là à observer et ne rien faire pour déranger ce qu'il y a, alors l'ordre et l'harmonie peuvent s'installer. Parce qu'il n'y a personne qui essaye de faire de tout ça quelque chose pour son compte, pour moi, pour ma petite vie. Parce que je me sens seul, j'ai besoin que les choses soient à mon goût. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Cette joie d'être vrai, d'être là, tout simplement là, et ne rien faire, juste être, être ce que l'univers propose. Une expression de l'unité, de la joie d'être là, présent, sans rien faire pour vouloir être ce que le monde attend de toi. Alors là, tu es l'intelligence pure. Tu es l'harmonie, l'ordre.